Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve dans cette vidéo de Forge Magie pour quelques-uns de mes items voilà, en pourcentage res-air. Alors, ces items étaient sur mon Nénutroph Air Retrait PA il n'y a pas longtemps. J'avais testé des petits trucs avec. Enfin bref, en gros, il nous faudrait de la résistance air avec en plus une invoque si possible. Voilà, on va regarder si ça passe. Alors, bah, je vais tester une invoque directe. Je vais tester une invoque. Ça, c'est le jeu que j'avais eu dans ma dernière vidéo hein, sur les tentations. Et bah 2%, c'est malheureusement pas suffisant. Pas d'invoque. Bon, on est parti pour ce premier PM qui vient de tomber. Malheureusement, ma vitalité là est trop haute parce que juste avant, j'avais un jet entièrement maxé sur tout ce que je voulais. Donc j'ai mis de la vitalité alors que normalement, je la maintiens en dessous de 300. Et forcément, c'est à ce moment-là que le PM tombe. Donc je suis obligé de partir en Evervita. Mais bon, ça va, ça passe. Ça passe. Donc moins 10. Alors là, il me faudrait un truc qui pèse 7 idéalement. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Bah, je vais y aller sur des raises. Hein. J'ai pas trop le choix. Hop, voilà, et là je vais enlever le petit surplus de vitalité avec une rune d'initiative. Hop, ok, ça passe en plus, c'est pas mal. C'est pas mal, alors maintenant la force, on est parti. Je vais essayer de la remonter à fond. Hop, 6, l'agilité, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et bah dis donc. 45 depuis sur ces petits trucs-là. Waouh, ça m'a un peu défoncé ma tenta. Moi, j'avais pas trop le choix de toute façon. Et on n'aura pas beaucoup de tentatives de résistance à la fin avec tout ça, c'est dommage. 21, bah, je peux tenter 3 runes res-air. Et on va devoir se contenter de ça. Allez, 1, 2 et 3. Et on n'a qu'un seul pourcent, voilà. Et bien sûr, le PM passe là-dessus. Bah, on va refaire une petite tentative d'invoque. Allez, dommage. Tentative suivante. Alors, le PM est tombé. Là, la vitalité est vraiment pas mal puisque, bon, elle est à 246, ce qui est bas, mais avec deux runes ravies, hop, voilà, je remonte à 346 et ça ne me coûte que 10 depuis. Pas mal. Pas mal du tout. Et là, j'ai pas grand-chose à remonter avant de pouvoir partir sur de l'Exorès, donc on peut peut-être choper un gros jet, on va voir ça. Plus que le retrait PA et on est parti. Hop. Ok, bon, ça passe plutôt bien pour l'instant. Et j'ai donc 10 tentatives là. 10 tentatives, ouais, tout est bon. Allez, c'est parti. Déjà une. Bon, je vise les 3 au moins. Dommage, 2. Même si le PM passe, ça partira en invoque. Pas de PM. J'interromps ma petite série là sur les bots parce que j'ai un PA à briser sur un Stalak. Voilà, il faut que je fasse ça, donc bah, c'est parti. Ça va être compliqué. Ouh, il faut de la pafui là. Il faut de la pafui. Sinon, on s'en sortira pas. Oh, ça va être très très chaud. Vous voyez, c'est un gros jet là. 15%, 34 sur 35 écrit, 18 sur 20 en fuite et 28 sur 30 en puissance. Ce bouclier, il a laissé pas mal de temps en HDV, mais il se vend pas, donc il m'a dit, bah, l'ego brisé. Donc là, ça va être voilà, un petit peu de pression sur ce FM parce qu'on casse quand même un très gros jet. Mais bah, du coup, forcément, il y a peut-être moyen de choper quelque chose de génial derrière. Donc ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et ça m'intéressera peut-être si on sort un gros truc. Alors il veut qu'on parte en Exorester. Et peut-être que je l'achèterai si jamais le jet est vraiment bien. Voilà. Alors j'espère qu'il a fini de faire ses runes. Il était parti faire des pafuis. Allez! On se réveille. Rune Ignis ou Résifix? Ça j'ai. J'ai tout ça, on s'en fout. Ça coûte rien en plus les runes là. C'est vraiment qui c'est qui les a, faut juste les trimballer quoi concrètement. Voilà, a priori, là, il y a tout ce qu'il faut. Fuis, papuie, peut-être des rapus auraient pu servir, bon, ça va. Il y a peut-être juste les par écrits, il n'y en a que 16, ça risque d'être un peu léger. Bon, on va faire au mieux. On va faire au mieux. En tout cas, il a beaucoup de runes d'eau perdues. Ouais, bon, il faut vraiment miser sur le fait que le PA tombe assez vite. Ah, je vous remonte le G, là, c'est vrai qu'il est très propre. Hein. Il est très propre. Il y aurait eu 2 de fuite en plus, je le prenais avec le PA. Mais là, 18 fuites sur 20, c'est quand même un peu chaud hein, pour du PVP. Hop! Allez! Bah là, il va falloir que je parte en over direct. Alors, est-ce que je pars en over sur la puissance ou sur la fuite? Je lui ai demandé son avis. Ou alors, je tente une fuite simple. Si je tente une fuite simple, mais ça a quand même peu de chances de passer, là. Hein. Oui, je sais, il me dit, ouais, bah, c'est son avis que je veux, moi. Ça m'aide pas beaucoup, tout ça. Ça m'aide pas beaucoup. Puis, allez, on va partir sur cette recette. Bah oui, je suis con. Je suis complètement con. Oh putain, avec le PA, on va rien pouvoir faire en fait.
En fait, avec le PA, on peut toucher que la fuite. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que, alors pour ceux qui savent pas là ce qui vient de se passer, on peut pas avoir plus. On peut pas avoir plus que 101 de puits sur un item en cumulant les exos et les overs. Et là, avec le payeur, on a déjà 100, donc on a le droit de dépasser de 1 encore de puits. Donc là, on pourra rien dépasser en fait, tout simplement. Donc c'est forcément la fuite. On n'a pas d'autre choix. Oh, ça passe! Oh là là! Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que là, ça me permet de tenter une part écrit. Et la part écrit, oh là là, si on a si on a un crit sur la pas fuit. Si la pas fuit passe, je prends. La pas fuit passe. J'achète le boubou. Je l'achète et on laisse le PA. Alors là, si ça tout se joue sur cette rune. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas passé en crit. C'est pas passé en crit, mais on peut tenter. Alors par contre, je vais compter clairement le puits à chaque fois. Là, j'avais 2. 2 sur cette rune-là. On a eu moins 12. Ah, je me suis chié. Ok, j'avais 2. Moins 12, plus 6, et plus 4. Ce qui nous fait 0. Ok, on est retombé à 0 depuis. Allez, la papuie. Oh, c'est crit. Ça crit, ça crit. Bon. Bah, je pense que je vais lui acheter comme ça, en fait. Je pense que je vais lui acheter comme ça. Il manque deux récris, mais... C'est dingue, ça. J'achète. J'achète l'item. Alors, on va voir pour le prix. Ça, on va négocier en privé. Un G comme ça. Un G comme ça, voilà, sur un item sans puits avec un PA, sachant que la réécrit on peut pas avoir plus que 33 parce que là on part. Enfin, si on pourrait. On pourrait monter à 35 en over réécrit, mais c'est très compliqué. Et la puissance, pareil, c'est assez galère, je pense que je vais acheter. Bon, bah du coup, je stoppe le record ici, je pense pas qu'on va le briser, hein, parce que là, on a quand même du très gros G. Voilà, et bah dis donc, waouh, beaucoup de stress sur ce FM, là, le petit crime sur la puissance qui met extrêmement bien, c'est complètement inattendu. Moi, mes 20 fuites, bah oui, la fuite c'est la vie, hein, quand on est taclé. Bref, waouh, super FM. J'aurais dû hurler de joie en fait sur le 3 puissance, j'ai pas réagi tout de suite, mais concrètement c'est génial hein, ce qui vient de se passer. Allez, encore un PM qui vient de tomber. Alors on est parti. Là le G est... Bon, la force est plutôt basse, mais sinon ça va, c'est pas mal. Il me faudrait un petit crit là-dessus. Bon, moi ça passe, ça ne crit pas, c'est pas trop grave. La vie ensuite, la vie qui passe également. Ok, on n'est pas trop mal là. Hein. On n'est pas trop mal. Le tacle, c'est parti. Bon, pour l'instant, j'ai tout qui passe en succès neutre. C'est pas fou, ok, j'ai rien dit. C'est pas fou, mais ça défonce pas trop le puits, donc voilà, ça pourrait être pire. Ok, un crit sur le dommage terre, et voilà, là j'ai tout le reste. J'ai donc 53 de puits. Ah, j'aurais bien aimé avoir un de plus pour pouvoir tenter une rune supplémentaire. Alors, je vais regarder rapidement mon historique pour voir si j'irai pas un peu de puits résiduel. Ça commence où ça commence là, j'avais 0. Ah, j'avais un plus reliquat ici. Ouais, là je vois, donc là je devais avoir 3 sur cette rue là. Ok, là je repasse à 0. Là j'ai 0,2, j'ai 5,2. Bon, le 0,2 on s'en fout, a priori ça va pas changer, donc on va dire 5. Là je devais avoir 3. Je devais avoir 3, et donc 3 plus 3, non je repasse à 0, j'avais 0 depuis je pense. Ok, donc malheureusement non, je suis à 53, on va tenter un crit là-dessus. Non, moins 1. Donc 52, on va tenter un crit sur une raie fixe, ce qui me ramènerait également, et non, ça ne marche pas, bon c'est pas grave, on va donc faire 8 tentatives, 8 tentatives là-dessus, hop, et alors apparemment il faut que j'aille craft des orbes encore, oh, 3%, et en plus une qui a crit, ok, bon j'aimerais vraiment avoir un PM là-dessus, qu'on ne parle plus de ses bots, et là apparemment il faut que j'aille craft des orbes PA pour CZN, hein, qui est celui avec qui j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Allez, un PM, ce serait bien que ça dégage. Oh putain. J'ai encore été interrompu dans la fin de mes bots. Apparemment, j'ai encore 2 PA à briser sur 7 ans de malheur. Il me dit qu'il a passé 2 PA en 11 tentatives. Hein. Je viens de lui crafter ses orbes. Bah, dis donc, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Hein. Bon, on est parti. J'espère quand même que je pourrai trouver le temps de terminer mes orbes par la suite. Enfin, mes bots, pardon. Ce serait bien. Ok, là, le G est pas top. Le G est... Ouh, j'ai mal compté moi, c'est pas que... Là j'ai 15, moins 7, et moins 7, ce qui me laisse 1.
un des puits. Je vais y aller sous les Resmeliens. Hop, on va essayer de remonter ça assez vite. Alors là, j'ai 4, plus 14, moins 15. Hop. Votre épée là, qui est passée en sous-G, c'est pas génial ça. Moins 1 là-dessus. Et ok, pas mal, pas trop mal. J'ai donc là plus 93. Pas trop mal, mais le tacle c'est chaud. Qu'est-ce que je fais? J'ai donc 95 de plus au total. Le tacle m'embête. Il m'embête beaucoup. Il est à 18. Je vais devoir passer à 21 de tacle. J'avais fait ça, c'était bien passé l'autre fois. En espérant que ça bouffe pas trop de puits. D'accord, moins 24, ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait clairement pu être pire. Et là, il va me falloir. Il a la fuite, je crois. Non, il a. Ah si, il faut la fuite. Ok, je vais en mettre une. Histoire d'enlever le surplus. Bon, dommage que c'est pas passé. Ça m'aurait permis de récupérer du puits par la suite. Le retrait PA qui crit, ça fait plutôt plaisir. On va mettre une petite 13, moins 6, ensuite les résistances mêlées, je vais remonter à 13, moins 15, et il va falloir chercher le crit sur le pas retrait PA. Ou alors je joue plus la sécurité et j'y vais que sur des retraits PA simples. Ouais, je vais faire ça, tiens. On va pas faire le fou, voilà, ça crit là-dessus, c'est pas mal. Moins 6. Histoire qu'on ait quand même un truc bien à la fin, parce que si jamais la part retrait ne passe pas, alors là ça défonce le puits et c'est très possible qu'on puisse plus terminer le FM à la fin. Allez, on va y aller comme ça. Hop, moins 6. Ah, il reste quand même pas des masses de puits, hein, malheureusement. Moins 7, bon, en tout cas ça passe. Là, tout va se jouer sur la salle-ci, hein, la res mêlée. Si elle passe, c'est bon. Et sinon, ah, dommage, dommage. Dommage, bon, bah pas de beau jet pour celui-ci. On va essayer que ça va se. Que ça se passe mieux pour le deuxième. Alors là, on a déjà un plus gros jet hein, à la base. Bah, on a toujours le 18 de tacle qui pose un petit peu problème. Ok, on part directement sur un crit retrait PA. Je vais chercher le deuxième. Ok, donc là, on a 6 plus 4 moins 7. Voilà. Là, je peux chercher une pataque. Alors, c'est un peu osé, mais comme c'est une grosse rune, ça a peut-être plus de chances de faire tomber le PA. Bon, ça, c'est un peu discutable. Ça ne passe pas. Ok, retrait PA, nouveau. Oh là là! Là j'ai quoi? J'ai moins 5. Moins 5, ok, je vais essayer de remonter le retrait PA à 12. Je récupère 5 de puits là-dessus, plus 5. On va remonter les raises, hop. Plus 1. Ok, normalement là j'ai 7, donc je peux mettre un retrait PA. Et non, ça me fait un moins. Moins 3. J'espère que ça va vite tomber. Hein. J'aimerais bien quand même parce que le pauvre, ça fait un paquet de tentatives qu'on lui fait là-dessus. Plus 1. Et on n'a pas encore eu de gros jet, quoi. On a eu un 1% qui était pas trop mal. C'est quoi ça? C'est du retrait PA. Retrait PA, ça me fait donc plus 8. On a eu un jet qui était pas trop mal hier, mais il a passé une orbe dessus. Enfin, un orbe. Du coup, ça a un peu mis la merde, quoi. Et là, j'ai. Ouh là là, j'ai moins 9 là-dessus. Moins 9, ça me fait 6. Je suis pas sûr, hein, non plus, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Ouais, ça devait pas être ouf. Bon, je parle trop, je vais arrêter de parler, peut-être un peu plus me concentrer. Et le PA qui tombe là-dessus, donc 85 a priori. Et ça va être compliqué, on n'a pas un très gros jet là. Ok, le critique là-dessus qui met bien. Là, on a moins 6. Je vais devoir tenter le succès sur la pataque. Allez, ok, c'est pas fou. Moins 24. Le pas retrait ou pas? 55, il va falloir que je tente ça, je pense. Hein. Moins 15. Moins 6. 34, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais y aller sur des simples. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal comme ça. Bon, ça va être compliqué quand même de passer les dernières runes là et on n'aura pas assez de pluie. Je pense pas qu'on ait assez de pluie. Pourquoi je peux en retirer deux? Tain, je compte encore même plus comme une grosse merde là, ça commence à me saouler cette histoire. Je devrais plus avoir de pluie là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour ceux qui m'ont fait hein, des petites réflexions sur la manière dont j'ai compté le puits hein, sur mes dernières vidéos et tout, sachez quand même que je fais les vidéos souvent en fin de journée, je suis complètement crevé. Et je bosse quand même pas mal et je fais que des maths toute la journée, donc au bout d'un moment, je sature quoi. Et puis là, à chaque fois, on interrompt ce que je fais pour que je fasse du brisage PA, donc je suis bien gentil, voilà, je le fais. En plus, je le fais gratuitement, je demande rien en retour. C'est vrai que ça me fait des vidéos, mais moi, ça me fait que j'avance pas sur mes projets perso. Donc voilà, je fais ce que je peux.
Bon, bah dommage pour ces petits boucliers. Bon, j'ai pu revenir sur mes tentations. Alors là, on vient d'avoir un puits PM. Puits PM avec un G qui est pas trop mal. Il y a surtout les dommages là qu'il va falloir remonter, la vitalité et les dommages. Et ensuite, on part directement sur les résistances. Alors, petit crit sur la ravie, ça fait plaisir. Ensuite, les dommages. Ok, on a... Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Oh, c'est nickel tout ça. Moins 10. Bah dis donc, vous voyez toutes les runes que j'ai passées là. Ça me coûte que 10 de puits tout ça. Ça me laisse donc 76 de puits. 76 qui nous fait 12 tentatives. Mais j'ai 4 de puits en trop. J'ai 4 de puits. Alors, ce que je peux faire, c'est soit tenter un crit avec une petite rune réfixe. Mais ça arrive quand même très peu souvent, alors que je pourrais plutôt tenter de passer la J à 60 avec une pas âge. Non. Non, non. Bon, on est parti pour 12, 12 comme ça. Hop. 12 tentatives, là, il y a moyen de choper quelque chose de très propre. Hein. Allez, c'est parti. Bon, je sens que je vais avoir qu'un seul pourcent avec ma poisse. Ok, on a 3%. On a 3%, et vraiment, le PM, je le mérite ce PM, ça fait je sais pas combien de temps que j'essaie de faire ce truc. Je le mérite, mais non. Bon bah du coup, on repart sur du PA avec donc mon ami, et vous voyez, il l'a passé avec des orbes, et regardez le G qu'il a. Il a un G presque parfait, il manque juste 1% de rester. Donc là, énorme chance pour lui. Énorme chance, et bien si on passe un critique là-dessus, on a un superbe item. Hein. Et malheureusement, non. Malheureusement, non. Je vais tenter à nouveau. Ok, moins 2. Allez, même là, si ça passe, ça pourra faire encore un truc bien. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que ça partait plutôt bien. Hein. On va retenter de remettre ça. Ok. Ça nous fait combien là? Plus 7, moins 15. Ok, il me reste 1 depuis. 1 depuis. Je vais tenter les plus grosses runes en premier. Normalement, ça a plus de chances de faire péter le PA, voilà. Mais c'est quand même pas une valeur sûre. Hein. Et donc là, j'avais. Donc là, j'ai plus 100, moins 12 pour la patac. Voilà, ça nous fait donc 89. Et bah, dis donc, là, on a quand même moyen d'avoir un truc très sympa là. Allez, faut que ça passe ça. Mais c'est quoi cette rune de merde? Bon, bah c'est dommage. C'est franchement dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, 6, 6, 6. Donc moins 72. Mais c'est... J'ai rien, je sais même pas quoi dire, ça fout la rage. Moins 6. Et on avait déjà plus de puits quoi, il y avait un truc vraiment sympa. Et moins 7, il nous reste 4 de puits. Mais avec 4 de puits, on ne peut rien faire malheureusement. Mettre des réfixes, hein, mais... Ouais. Oh, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Hop, le petit PM qui vient de tomber. Alors, il vient encore de passer un PA sur son bouclier, mais il passe des PA. Alors lui, ça doit être une chance sur 10, hein, pas une chance sur 100 comme les autres. C'est un délire. Bon bah du coup je pense qu'on va le briser juste après. Moi j'exploite quand même là mon petit puits sur mes bottes. Ok donc là on a moins 3. Ok la vita qui me met au fond et moins 40. Dommage. J'aurais pu les rester à 342 vita mais ça aurait fait moche. Du coup j'ai voulu monter plus haut. Et bah, ça massacre mon item. C'est triste. Ah, crit initiative qui arrive juste quand on en a pas besoin. Alors qu'à chaque fois que j'essaie de gagner de puits ça ne le fait pas. Bon, tant pis. Hop, moins 2 et moins 5 là-dessus. Bon, on peut peut-être avoir des petites tentatives quand même, hein, c'est pas trop... C'est pas forcément mort, mais c'est un peu dommage pour la Vita, ouais, qui m'a mis au fond. Moins 5 là-dessus, allez, plus qu'un retrait PA, et on peut tenter des résistances. 28, ok, donc là il me faudrait 2 de puits en plus. Bon, là pour le coup, je vais à nouveau tenter un petit crit là-dessus. Non, non. Bon, tant pis, on va donc avoir 4 tentatives là-dessus. Sur les res, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, 2%, c'est pas top. Et le PM qui ne passe pas. Bon bah voilà, je vous l'avais dit, on enchaîne donc sur le brisage de son truc. Le G est pas trop mal là, hein, franchement. Ok, donc on commence déjà avec un plus 9. Plus 9, allez, on va y aller comme ça. Oh, les petits critiques qui font plaisir. Allez. Moins 6, on a donc 3. 3 de puits, bah, je vais tenter les grosses résistances là.
Ok, on retombe à 0. Allez, je vais essayer de remonter à 14. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on a plus 3. Si le PA tombe assez vite avec un G dans le style, là, on sera très bien. Plus 1. Là, on a plus 9. Je vais remonter quand même les raids, là. Ok. Moins 6 et moins 6. Il nous reste 1 depuis. Voilà, j'essaie de ne pas être en dessous du G minimum. Sinon, c'est un petit peu embêtant. Tac, on a 16, on a plus 1 là, hop. Le tac, je vais la remonter à 17 si je peux. Échec, d'accord. Plus 2. Et là, voilà, moins 4, je retombe à 0 depuis. Ok. C'est pas trop mal pour l'instant. Là, on a plus 2 également. Les raises en pourcentage, enfin, les pourcents raises mêlées là sont au max, hein, ça c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, là on a plus 2 et moins 4. Décidément, ça a l'air un petit peu bloqué, c'est pas top. Plus 3, il faut que je remonte les raises, hein, les raises terre. Ah, j'ai deux lignes qui sont en sujet, là c'est pas génial. Moins 2, plus 1. Est-ce que je vais. Allez, je vais tenter la pataque. Je vais essayer d'aller sur des grosses runes, hein, ça a quand même tendance à me faire plus facilement tomber le PA. Hein. Je commence à voir ça avec l'expérience là. Faut vraiment taper les grosses runes en priorité pour dégager le PA. Mais bon, encore une fois, ça c'est de l'AFM, on n'a pas vraiment de preuve de tout ça. C'est plutôt une question de feeling. Hein. Allez, je vais quand même essayer de remonter peut-être le retrait PA comme ça. De moins 1. Ah, fais chier. C'est pas top tout ça. Ok, plus 1. Allez, le PA là, ça serait bien que ça tombe assez vite quand même. Plus 8. Plus 8, on a 12. Ok, donc là, normalement, je peux tenter une pataque. Ok, ça m'enlève les 12. Ok, elle est passée, c'est vraiment bien. Et là, bah, si le PA tombe assez vite, ça peut très très bien aller. Oh non, dommage. Dommage, dommage. Là, on a plus 3. Me laisse donc 4 depuis, je peux tenter une tacle. Moins 4, je retombe à 0. Plus 3. Ok, je vais essayer de remonter les retraits PA qui sont passés un petit peu trop bas là. Et il faut aussi que je m'occupe des résistances terre qui sont assez amochées, hein, c'est embêtant tout ça. Là j'ai moins 3, on retombe à 0. Je vais commencer par les restes terre, c'est la 4%, ça va pas du tout. C'est pas facile, hop. Là on a plus 2. Ok, le petit crit, ça m'aide plutôt bien. Hop. Là, on a moins 1. Et le petit crit sur le tac, à nouveau. Hop. Plus 2. Là, normalement, je peux tenter un tac gratuit. Voilà, hop, moins 4. Oh là là, ça passe pas. C'est dommage, hein. Tout à l'heure, là, si le PA était tombé il n'y a pas longtemps, j'avais un truc vraiment chouette. Là, du coup, c'est un peu plus compliqué. Hop, j'essaie de remettre le puits, de toujours utiliser exactement la valeur du puits que j'ai, parce que souvent ça fait un moins reliquat et ça me défonce pas l'item. Ça c'est pas mal. Ok, double crit. Double crit, ça c'est plutôt bien. Plus 2. Ok. Plus 3. Moins 1. Oh, c'est pas vrai. Moins 2. Allez, le PA là, faut tomber. Moins 2. Ok, pas trop mal. Là, on a plus 11. On va faire quoi? On va essayer de remonter le tacle. J'ai eu moins 8, plus 3. Ça me fait 6. Normalement, je peux tenter une rune de résistance. Hop! Moins 6, on repasse à 0. Bon bah allez, hein. On va y aller sur les grosses runes là. C'est dommage, on est en train de massacrer d'items là, c'était quand même pas mal. Ça partait assez bien hein, pour une fois. Allez, des grosses runes. Non, ça ne passe pas. 5 tacles, oh là là. Là on a moins 1, on retombe à 0. Je vais y aller sur de la patacle. Ok, un crit là-dessus, ça met quand même très très bien, on va pas se mentir. Là j'ai plus 2. C'est un petit peu triste tout ça. C'est un petit peu triste. Plus 2 à nouveau. Je peux tenter une tacle simple. Hop, moins 4. Dommage, ça ne passe pas. Le retrait PA, on va y aller avec de la part retrait PA. Oh là là.
21 plus 24. Bon, bah, le PA tombe enfin, mais là, vu l'état de l'item, c'est dommage parce qu'on avait un truc vraiment bien, puis là, ça s'est un petit peu cassé la tête. Donc là, j'ai plus 100, moins 12. Ok, bon, bah, on va devoir y aller comme ça. Là, je vais aller chercher du crit à fond là, sur des grosses runes. J'ai pas trop d'autres solutions. Ok, on a moins 8 là-dessus. Allez, le tac, je vais devoir la remonter. Avec de la patac. Ok, au moins ça passe. Dis donc. Remonter 10 de tacle m'a pris moins de puits que ce que j'ai défoncé pour 3 de tacle tout à l'heure. Donc là, on a moins 36 pour ça. Eh ben, on va peut-être s'en sortir. Votre épée, hein, qu'est-ce que je fais? Je vais tenter également deux fois comme ça. Moins 21. Allez, si ça crit là-dessus, oh, ça crit pas. Moins 21. Et j'ai même pas de quoi mettre la dernière rune de résistance là. Triste. Non. Dommage. Petit puits PM sur mes bottes. On a 89 de puits. 89, c'est pas trop mal. Par contre, le G est pas fou. Le G est pas fou. Je suis un peu deg parce que depuis tout à l'heure, j'ai un super G et j'ai arrivé à bien le maintenir. Et là, il a un peu baissé et c'est à ce moment-là que le PM tombe. Donc, bah, ça me fout les boules. Ça me fout les boules, mais il va falloir faire avec. Voilà, j'ai beaucoup de choses à remonter quand même là. Et ça ne passe pas très bien. Hein. Ouh là là! 36 de puits là-dessus. Bon bah, je suis même pas sûr qu'il va nous rester du puits pour des résistances à la fin. C'est embêtant cette histoire. Ok, moins 5 pour ces dommages, là ça va. Et le tacle qui crit. Bon bah, 29. 29, c'est possible que j'ai un peu de puits résiduel d'avant. On va voir combien j'ai de pourcents. Ok, bon, j'ai 2%. Est-ce que je tente un troisième? Est-ce que je tente un troisième? Je vais regarder un petit peu ce que j'avais avant. J'avais commencé à compter à partir de là. Là, j'avais un, j'ai eu un moins reliquat. Pff, normalement, j'ai rien de plus. Hein. Normalement, j'ai rien de plus. Qu'est-ce que je fais? Troisième pourcent ou pas? Sachant que si j'ai 2%, je suis un peu deg, mais bon. Ouais, je vais aller. On va plutôt chercher le 2%. De toute façon, voilà, il n'y a pas de PM comme ça, l'histoire est réglée. Hop. Hop, à nouveau une petite tentative. Alors, j'ai passé les runes un peu vite, vous voyez, j'ai repassé un retrait PA juste après avoir fait tomber le PM, mais il est passé en crit. Donc on a 83 depuis là-dessus, et c'est pas mal du tout. 83, on va avoir une belle vitalité là. Hop, bon, moins 20, c'est pas bien grave. Ensuite, il faut remonter l'agilité, la sagesse, et après, il n'y aura plus grand-chose à remonter, ça va aller assez vite. Donc on a un moins 12 ici. Hop, ensuite les dommages R, et ce sera directement bon pour aller chercher. Moins 10. Ah, 41. Encore, je me retrouve à 1 de plus d'avoir un truc. Et c'est possible qu'il m'en reste d'avant. C'est possible qu'il m'en reste d'avant, mais là j'ai que du rouge au niveau des lignes. C'est pas évident à voir. J'ai un peu la flemme de tout recompter. On va déjà en passer. On va déjà en passer 6 et on va voir ce qui nous reste après. 5 et 6. Bah, là je vais clairement tenter la 7ème. Hein. Ok, j'avais pas assez depuis. C'est pas grave. Hop. Et bien sûr, c'est tout le temps sur 1% que le PM repasse, hein, ça c'est la classique. Allez, je vais tenter un PO. Finalement, je vais partir plutôt en PO qu'en invoque, parce que l'invoque, en fait, je le mettrais sur un item qui a déjà un PO à la base. Enfin, les invoques, on peut mettre plusieurs exo-invoques dans un stuff, hein. En revanche, exo-PO, on pourrait en avoir qu'un. Allez hop, dommage. Ok, donc, à nouveau un petit puits PM. Le G est pas fou non plus là, bon, on va essayer de faire au mieux. C'est parti. C'est parti, moins 3 pour la Vita. Hop. Et la petite Ravie qui crit, ça c'est bien. Ça m'est vraiment bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer peut-être par équilibrer un peu le truc là. Voilà, les raids, ça crit, c'est chouette. Et là, toujours, hein, les caractéristiques pour remonter vers 60, c'est assez compliqué. Hein. Donc là, on a déjà moins 6, moins 9, moins 12, moins 15, moins 18, moins 21. Oh là là, ça va. On a vu pire, mais ça défonce quand même un petit peu le puits. Ça va que les runes pèsent pas très lourd, mais souvent, il en faut un paquet avant que ça passe. Les dommages. Ok, ça un petit peu capricieux aussi. Et les res neutres, et ensuite on va pouvoir partir en exorèse. Ok, moins 6. Bon, ça aurait pu être pire, mais c'est pas top, top, top. On peut avoir un 3% là-dessus, un petit 3% et un petit PM, ça pourrait être sympathique et très apprécié. Ok, bon, bah, en tout cas j'ai déjà 2%. Hop, ah, j'ai un pote qui vient d'avoir un nouveau PC, je sens que ça va farmer sec. Allez, un petit PM, bon, de toute façon, je m'en fous, c'est pas un 3%, et ça ne passe pas. Petit puits PO qu'on vient d'avoir avec un truc à peu près correct.
Alors, je vais partir dans la même optique que pour les bots, hein. Je mets pas les dommages neutres parce que je m'en fous, j'aurai absolument rien qui va taper neutre, et j'ai pas non plus de CAC qui va pouvoir taper neutre, donc au niveau des sorts et au niveau de l'arme, pas de dégâts neutres, donc je mets pas les dommages, voilà. On a 48 de puits, je vais essayer d'avoir un truc à peu près équilibré, correct, il va falloir revoir Vita, là c'est compliqué, ça va bouffer du puits, ok, moins 20, sur la portée c'est assez compliqué quand même, hein. Là, bon, on va faire au mieux. On va faire au mieux, allez, j'enlève la vitalité comme ça. Il va falloir aussi que je remonte toutes ces grosses lignes là. Moins 8 là-dessus. Ça va être compliqué d'FM cet item. Hein. Mais bon, je vais me contenter d'un G à 1%, je pense. Et là, bah malheureusement, j'aboutirai même pas là-dessus. Hein. Moins 9. J'ai même pas de quoi remonter les dommages et le tacle. Ok, un crit c'est bien, mais ça ne suffira pas. Tant pis. Peu de temps après, on a un deuxième puits PO. Alors celui-là, il a l'air un tout petit peu mieux, à part l'agilité 66. 66, ça me dérange, alors je peux soit aller chercher le 76 et enlever 6. Je vais faire ça. C'est un peu osé, mais je vais pas laisser un item à 66 d'agi. Hein. Ok, ça passe, donc c'est bien. Bonne chose. Et là, je récupère les 6 avec le l'arrêt ce E qui crit. Là, je suis presque embêté que ça ait crit. Bon, bah, dans ce cas, on va y aller avec la dommage terre. Mais décidément, ça crit dans tous les sens. Ok, bon là j'ai le moins 5 enfin qui tombe. Et du coup. Oh non, je perds du puits là-dessus, sérieusement? J'ai eu moins 3 de puits, ok, c'est pas très sympa ça. Oh le critique là, ok, on a peut-être une belle tentative qui se profile. Moins 9, moins 19, ça peut le faire, il n'y a plus grand-chose à remonter là. Ça peut le faire. On a le tacle, moins 8, ah ça va être serré hein. Ça va être serré, moins 5, il me reste 4 et j'ai même. Ah, ça passe pas, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Il manque l'esquive PM. Bon, je peux quand même retenter le PO, mais ok, le PO passe. Bon, je peux toujours tenter d'y aller avec un petit crit bien placé, ça peut le faire. Hop, ok, on perd un 2R, ça va toujours pas. Hop, je vais tenter un PA peut-être, hein, si j'ai un G qui est bien. Oh là là, c'est compliqué. Est-ce que je tente un PA? Remettre un PA. Hop. Ok, tant pis. Encore une tentative, plutôt pas mal. Alors là, cette fois-ci, elle est vraiment bien. Vous voyez, on a tout qui est bien maxé. On a juste 11 dommages air et terre, ça va se remonter assez facilement. En revanche, la vitalité, il faut que je parte en over et c'est ce qui m'inquiète le plus. Alors si ça passe bien. Non, dommage. Dommage. Non, bah là, c'est clairement mort. Allez, tant pis. Bon. Encore un puits PO, alors là c'est sur un crit que c'est tombé, et à nouveau j'ai une vita merdique, la vita va vraiment me poser des problèmes. Alors c'est possible que je laisse les critiques à 3%, ça va dépendre de la manière dont se déroulent les choses, parce que j'aimerais bien ne pas passer trop de temps dessus et avoir un jeu quand même jouable, on va dire, si j'ai envie de faire des petites vidéos avec ce genre de stuff. Allez, moins 10, à nouveau ici. Bah là j'ai un truc déjà nickel, il me reste 21 de puits, je peux faire 3 tentatives sur les res R et je vais le faire maintenant. J'ai pas envie de perdre autre chose sur le crit. Je referai peut-être voilà, plus tard. Peut-être en brisage PA cet item. Mais là, j'aimerais vraiment que ça ne soit pas trop long. Hop, ok. 1% res. Bah, si on a un PO, je m'arrêterai là. J'ai envie de ne pas y passer la journée. Ok. On a le PO. Bon, c'est dommage pour le critique, hein, mais. Bon, sur le reste, c'est propre. C'est propre. Et puis un critique sur un mode R-retrait, concrètement, c'est pas vital. Mais ça fait toujours plus propre quand c'est là, bien sûr. Voilà, donc je retourne à mes bots. On est donc de retour sur les bots avec un puits PM. Bon. Le tacle est merdique, le reste ça va à peu près. Et il va falloir remonter la vita. C'est parti. Alors, non, je vais déjà remonter le tacle à 5. Voilà, hop. J'aimerais bien que ça dégage ce petit thème là. J'en peux plus de l'FM en vrai. Ça commence à vraiment me saouler. Le nombre de runes que j'ai passées, c'est incroyable. Je sais pas, je suis à combien de temps à PM là, si on cumule déjà avec les autres vidéos que j'ai faites dessus, mais c'est un délire. Ah, je crois que j'ai encore un PA à briser apparemment. Bon, je vais aller faire ça après. Moins 5, j'ai mis moins 4. Bon, allez, on y croit, ça va bien se passer. 43. Bon, là, clairement, je peux faire quoi? Je peux mettre une petite rune. Ah, j'ai des fois que ça passe. Non, allez, 7. 7 tentatives. Ah, ça part bien, ça part bien. Un troisième. Non, j'en ai que 2. J'ai que 2% et c'est niqué. Allez, c'est parti pour ce petit bouclier.
On va y aller vite fait, bien fait. Allez hop, il suffisait que je le dise. Et bon, on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Moins 15, hop. 4, moins 24, hop. Le retrait PH, je fais combien? 46. Je vais y aller sur des runes simples. 5, 6. Ouh là 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 là, ça fait de l'eau, ça pèse lourd tout ça. Là, on a moins 42. Bon, ça nous laisse 4 depuis. Je peux tenter une rune tacle. Ouais, je pourrais faire ça ou alors mettre des exorès fixes, mais ça vaut tellement rien. Allez, tacle. Oh, ça passe. Ça passe. Bon, on a utilisé tout le pu, on a un jet parfait. Bon, bah, je crois que ça va partir en PA là-dessus, hein. Je pense que ça va partir en PA. Depuis. Malheureusement. Ouais, c'est ça, hein. Je vais peut-être recompter vite fait, mais là j'ai eu 30 sur les deux grosses runes, là j'ai eu 24, moins 24. Et ensuite, allez, je vais lui payer mon PA. Ouais, non, on a bien zéro depuis là. Oh, c'est quoi ce truc de merde qui ne marche encore pas? Ah oui, c'est vrai que depuis la barre en bas, on peut pas passer les runes là. Il faut vraiment que je fasse comme ça, normalement. Ah bah non plus. Super jeu, super jeu. Bon, apparemment j'ai pas le droit de mettre les miennes. Bon bah du coup pas de PA. Tant pis, oh, c'est chiant en vrai. Hein. C'est très chiant. Bon bah je peux pas. Je ne peux pas. Au pire, je pense que comme ça c'est vendable. Il va en chercher une, ok. On est donc parti pour ce PA. Allez. Hop, tant pis. Petit plus PM qui vient d'arriver. Hop. Sur mes bottes, bien sûr. On est parti. Over Vita à nouveau. Prince, ça va encore me défoncer tout mon puits, ça, à tous les coups. Ah bah non, il suffisait que je dise ça pour que ça se passe très très bien. Nickel. Nickel cette histoire. Hop. Oh, en plus on a le crit d'initiative et décidément, ça a l'air de bien partir cette tentative-là. Et en plus, il n'y a pas grand-chose à remonter derrière. Eh bien, je suis optimiste. Je suis très optimiste. Moins 6 là-dessus. Ok, là on est vraiment pas mal du tout. Hein. On est pas mal du tout. 10. Que 10. Nickel. Et la dernière résistance à remonter. Qui passe plutôt bien. 61 depuis. Ok, donc je peux tenter une petite rune force. Ça ne passe pas. Ça me laisse 10 tentatives. Res R. Hop. Allez. Un 3% avec un PM. C'est tout ce que je demande. Hein. C'est quand même pas la fin du monde. Hein. Allez, ça part bien. Troisième pourcent là. Un troisième pourcent. Oh là là, tous les coups le PM qui va pas passer, et c'est la classique. Eh bien c'est parti pour une tentative vraiment pas mal du tout, enfin assez originale. J'ai fait le choix de laisser la force et la J en dessous de 50 pour pouvoir aller chercher la Ra Faux et la Ra Âge. On va tenter ça. Si on a des runes qui passent bien là, on peut avoir un truc vraiment pas mal. Donc là j'ai moins 9 là-dessus, et voilà, il faut que je fasse 3 crits sur des grosses runes. Ou crits, enfin en tout cas que ça passe quoi. Voilà, une... 2, 3, 4, ok, moins 40. Ça aurait pu être pire, hein. J'ai donc 37 depuis. 37, je peux en utiliser un sur l'agilité en essayant de remonter. Ok, et j'ai 6 tentatives. 6 tentatives, allez, ça peut donner un truc bien. Oh, je sens venir le 3%. Oui, le 3%. Et le PM, il me le faut ce PM, vraiment il me le faut. Yes! Putain! Yes! Ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, oh oui! Oh, désolé si j'ai crié, oh là là! C'est nickel, bon bah du coup ça vient clôturer cette vidéo, enfin! Enfin c'est fini! Cette malédiction là, elle est brisée! Oh là là, plus jamais j'en touche cet item, je suis pas prêt de remettre les pieds dessus en FM, hein! Oh, je le méritais ce 3%, je peux vous dire, en vrai j'aurais même dû avoir un 4% hein, techniquement! Bon, c'est là qu'on fait le mec et on balance une avoc ou pas? Non, allez on va s'arrêter là-dessus! Bon, bah, j'espère que cette vidéo de FM un petit peu variée vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.